Coucou les copines. Bonjour et les copines. Copains. Et les copains. Ah non, c'était toi. C'était... Oui, c'était à toi de checker. Oui, je m'en souviens. Oui. Et tu devais les vérifier là-bas. Attends. Là, avec oui, la gomme. Là. Je vais parler à Gom Gom et à Jean-Mi. Jean-Mimi qui a perdu son caleçon. Moi, je lis même pas ce qu'il faut faire. Moi, je veux juste jouer à Mario à ce stade-là. Pluie de lave. Pluie de lave. Faut que tu vainques 7 bulles de lave. Alors, comment on tue des bulles de lave, etc. Avec de la lave plus chaude. On n'est pas dans One Piece, voyons. Quoi? Wow! Ah, d'accord, c'est comme ça qu'on bat des bulles de lave. Bon, bah, je saurais, hein. Merde. Ah, bah, t'es mal barré là. Shit. Ah, bah, t'es mort. Non, mais j'ai fait de la merde, j'ai fait de... Après, tu pouvais toujours tourner dans le tuyau pour choper. Ouais, mais il est mort. Oui, oui, non, mais je m'en doute. Non, tu t'en doutes pas, vu que je suis obligé de te le dire. Wow! Harcèlement au travail. Ne restez pas comme ça, parlez-en. Ah, du coup, tu sautes plus. Ah non, du coup. Tu te dis, c'est un peu dangereux quand même. Je ne saute plus. Je ne ris plus, je ne vis plus. Je... Tu sais à qui je pense? Au fin d'épisode déjà, mais ça fait une minute. Je pense à Dennis Rodman. Mais ah, ça me concerne. C'est vrai, je veux pas dire Dennis Brognard. Non, en fait, toi, t'es maudit des niveaux courts, en fait. Ouais, je crois que. Oui, oui, moi, je suis vraiment maudit des niveaux super courts. Je suis désolé, t'as. Moi, c'est les niveaux d'éjaculateur précoce. Alors, c'est court bien. Court mais intense. Court mais intense. Alors, c'est bien, c'est à mon image. Mais quand même. Bah, ça fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. C'est ce que ma maman me disait. Il se branle, là. Ah, oh, c'est trop bon. Ah, il est fini. Oh. Adios. Est-ce que t'aurais vu ma serviette éponge? T'as pas une cigarette? Est-ce que t'aurais une petite clope? T'as pas une petite clope, s'il te plaît? Et il en fait d'autres ou pas? Dis gamin, tu voudrais pas bosser pour moi encore une fois? Dis gamin, t'as pas envie de passer 5 bonnes minutes? Tu veux te faire de l'argent facile? Ta mission, si tu l'acceptes, est de vaincre 15 Eris. Utilise tout ce qui te tombe sous la main pour y arriver. Allez, adios. Oh! Oh! Monsieur Gomme! Faut que j'ai vaincu au moins 15 hérisseurs. Alors comment bat-on des hérisseurs? Comment bat-on des hérissons? J'ai que ça quand je bats des hérisseurs. Moi. T'as ta bite, ton couteau et ton champignon. Surtout ta bite. Ah! Mais je suis teubé, c'est pas possible. Oh! Ah, understand. The concept of love. Ah! Understand. Alors, moi je veux dire, mais. Non, mais c'est à ça que ça sert, c'est pour ça qu'il y en a deux. Ah oui. Ah, mais ils réapparaissent, d'accord. Oui. J'ai du mal à comprendre le concept, ok. Reste dessus, faut juste que tu triggers le. Genre, t'as dit quoi sur ma. T'as dit quoi sur ma mère? Elle est pas grosse déjà. Aldana. Aldana, oui. Voilà, bravo, tu as fini le. Ouais. Bravo. Ouais! Qu'est-ce que tu es fort? C'était Iconodur, elle était là. Je veux 10 pièces! Bah, effectivement, tu les veux. Eh oui! Faut. Coucou les. Coucou les potes! Ouais, coucou les copains, ouais. Ah, il va à nouveau se branler. Allez, c'est y part. La branlette vous efface. Bon, bah, au boulot, gamin. Ah, c'est des turboflexions, tu vois. Genre, oh, c'est trop bon, c'est trop bon. Oh, c'est bon, là, je suis bien. T'as pas une clope? Vraiment le coup de taper une clope. Ah non, mais il la gomme dans Smash. Renouveler. La gomme dans Smash. Ouais, mais là, j'ai pas d'autre idée aussi. La gomme dans Smash. Excusez-nous. Et lui, il donne des oui, trucs lui, aussi. Il donne des trucs. Oui. Bah là, faut réveiller le Toad avec une serviette torsadée. Non, avec un bloc pot, tu sais pas lire. C'est une vraie question, ça pourrait être handicapant. Nous, on veut bien t'apprendre. Ouais, moi je sais lire, je peux t'apprendre. Ne vous inquiétez pas, je suis pas handicapé, j'ai pas besoin de ça. Mais ça n'a aucun rapport. La lecture, c'est pas. C'est... Considère ça comme un handicap, c'est vachement. Hein? Hein? C'est vachement offensant ce que tu racontes là. Petit con, va. Oh bah t'es mort. C'est ton défaut de lecture qui t'a fait pas lire les blocs pots, c'est ça? C'est probablement ça, oui. Tu lisais des blocs. Tu voulais taper des blocs pots, mais tu lisais WAP, c'est ça? Oui. Il lisait Bernard-Henri Lévy. C'était les blocs Bernard-Henri Lévy. Ah oui, mais d'accord, ok, tu veux vraiment pas d'aide dans ta vie en fait.
J'ai cru que t'allais dire ah ok, tu veux vraiment qu'on soit démonétisé. Avec Bernard-Henri Lévy. En parlant mal de Bernard-Henri Lévy. Bon, c'est toi qui parles mal de Bernard-Henri Lévy. Ah non, moi j'en ai pas parlé mal, pourquoi? Tu trouves que j'en parle mal? Oui. Tu trouves qu'on parle pas assez bien de Bernard-Henri Lévy? Tu veux qu'on parle mieux de Bernard-Henri Lévy? Pourquoi tu veux qu'on parle mieux de Bernard-Henri Lévy? Tu, c'est quoi? C'est ta femme, Bernard-Henri Lévy, ou ça se passe comment? C'est toi, Ariel Dombal. Est-ce que tu es Ariel Dombal? Je crois pas. Ça se saurait. Par contre, je suis Saint-Sébastien. Tu es Saint-Sébastien. C'est le plus beau jour de ta vie de Saint-Homme. Au summum. Ah bah du coup, j'avais raison, tu t'appelles Sylvain. Saint-Sébastien. Ouais, c'est ce que je dis, Sylvain. T'écoutes vraiment rien, hein. Faut suivre, hein. T'es vraiment terrible, hein, comme oh garçon. Ah maintenant, c'est le jaune qui veut te parler. Et la gomme veut te reparler aussi. J'aimerais qu'on se revoie, je te donne mon numéro. Ouais, non, moi je m'en fous, moi je... Tu crois que je fais des quêtes pour des gens qui se font claquer le cul? Tu crois pas, hein? Mais il faut les faire... Je sais, mais je les ferai plus tard, moi je m'en fous. Moi, wesh, tu veux de l'argent, toi? Le paradis des bumpers, c'est comme la botte, mais sans botte. Je sais pas quoi répondre à cette affirmation. Est-ce que t'as déjà été au paradis des bumpers? Et toi, est-ce que t'as déjà été à la maison de la literie? Oui. Ouais, bah tu fais bien. Il y a des bons... Ah, joli, bonjour, Peach de Neige. C'est un bonhomme de piche. Ah! C'est dangereux ça, monsieur. Heureusement que les donuts sont là. Moi, je fais des gros donuts dans la neige. Je fais des drifts sur ta mère. D'accord. Je m'appelle Naruto. Mais non, c'est Mario. Mais non! Ah, si, c'est Mario quand même. Hein. Maverick! Capitaine. Maverick Entreprise. Ne connaît pas la crise. C'est quoi? Ma petite entreprise ne connaît pas la crise? La prise. Ah, ne connaît pas la prise. Ils n'ont pas d'ordi, mais ils savent pas les brancher. Merde! Hey. Maverick! C'est quoi Maverick? C'est dans Top Gun. Ok. Et c'est aussi dans Top Gun contre les rois de la Suède. Un double album. Un double album comédie musicale que j'aime vraiment beaucoup. Papa! Ouais, là j'asserte ma dominance sur ce Goomba, ok? Ah! C'est très drôle. Ne nous mentons pas, ce qui vient de se passer c'était très marrant. C'était fun. J'aime le fun. J'aime rire avec ma bûche. Avec ta bûche? J'adore ma bûche de Noël, je ris avec. Je ris beaucoup. Moi aussi. Surtout avec des sushis. C'est vraiment. Ah, le. Je comprends. Bonne journée. On a réparé l'étage! Bien, ça. Ouais, on avance bien, 59% du jeu. Et oui. Putain, ça coûte cher là, vos histoires. Là. Ça coûte cher. Oh, c'est un château que tu construis aussi en même temps. Ça coûte cher vos conneries, monsieur. Tu veux pas qu'on aille faire des trucs? Non! Je veux pas m'amuser. On va prendre des pièces comme ça, on lance le chantier et c'est plus opti pour ça. Adieu, Poum Poum. Ok. Et ça servait à quoi en fait? Je veux voir ce qu'il y a, parce que tu l'as. Débloqué, mais on n'a pas vérifié, ça se trouve il y a des trucs intéressants ici. Genre des pièces, tu vois. Non, j'ai pas vu ici. Encore. Un bloc qui parle, non mais... On est où, là? Dans, ah, dans La Belle et la Bête? Tu m'as libéré. Je suis Blockendish. Lieutenant de Himmler. Quoi? Il était là. Qui? Himmler? Mais pourquoi pas? C'est chaotique mauvais, monsieur. Tu sais pas où ils sont, où ils se sont retirés. Tu Je sais suis jamais. Monsieur Élément. Oh oh! Oh oh! C'est des banjos. Oh oh! Yaha! Ah, mais oui, mais c'est les blocs de l'amicale de la saucisse. Ah oui, plus tu les tapes, plus elles grandissent. Bah oui. L'amicale de la saucisse. Plus tu la tapes, plus elles grandissent. Oh ah pute 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 ah et oh t'arrêtes de faire mal là. Non, excuse-moi. On dirait que tu te prends des piments dans le cul. C'est des petits piments dans le cul toujours. Oh, t'es décédé.
Ta 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 ta. Popom. Bring bring bring. C'est le son de la saucisse. Ah bon? Ah oui. Bring bring bring. C'est le son de la saucisse. Plus jamais je regarderai une saucisse pareille. Tu regardes les saucisses toi, moi je les mange. Plus jamais je regarderai une Nintendo 64. Encore? Tu n'admires pas la saucisse toi? Ah moi je ne regarde pas la saucisse. Ça s'admire, ça se savoure. Ça se savoure. Faut que t'attendes que... Et oui. Que le bonheur du coup soit parti. Le royaume de France. C'est toi le bonheur. C'est malin que ça. Oh mince, j'ai raté une pièce. Oh mais. Et oui. Désolé, je te fais du pied parce que je te trouve très beau. Oh. C'est ma femme qui va pas être contente. J'arriverai à vivre avec ce fait et toi. Tiens. Selon les fanfictions, ça ne me dérange pas beaucoup, tu sais. C'est... Ah. Ok. Les fameuses. J'ai une amie qui m'a lu une fanfiction dans laquelle toi et moi, tu vois, on s'avouait notre amour. Je voulais pas trop. Et on n'osait pas trop en parler, tu vois, parce que ça la foutait mal par rapport à ta femme. C'est un peu normal. Oui. Mais il y a un mec, du coup, qui est venu et qui nous a dit « D'accord, j'y ai rien, mais en échange, on fait un plan à trois. » Et cet homme, c'était Léo Techmaker. Ah. Alors, pourquoi Léo? Je ne sais pas pourquoi Léo. Et on a dit « D'accord. » Et Léo, du coup, il allait les dire à tous les gens de Trash. Et on a fait ça tous ensemble dans une folle soirée. Et... Waouh. C'était un bon moment. Apparemment, c'était une belle histoire. Ah, c'était une romance. Une romance d'aujourd'hui? Ah, on rentrait chez lui... Là-haut dans le brouillard. Là-haut dans le brouillard. Elle descendait dans le midi. Oui, c'est ça. Merci. J'avais peur de me tromper. J'avais peur de me tromper. Je suis dans la pénombre. Où suis-je? Où vais-je? J'avais peur de mourir. Vous allez régler mes honoraires. Usagi. J'ai peur. Oh, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai peur. C'est dans quoi, ça? C'est la version canadienne de Dragon Ball. Ah, putain, oui. Oh non, qu'est-ce que j'ai peur. Son Goku, je kidnappe ton fils. C'est mon fils. Tu me rends. Son Goku, tu es un Saiyan. Quoi? Quoi? Un Saiyan. Et tu seras un sacré Saiyan. Bats-toi, Son Goku. Il est bien, Steve, j'aime bien. Tu me rends mon fils après? Peut-être. Ok. C'était les vidéos d'Ishigata. Ah, Ishigata. Ah, j'ai parlé. Qui faisait des séries abrégées et du dub avant que ce soit la mode. Ah. C'est un niveau très simple. Je dirais que de tous les gens qui font ce type de vidéos, c'est mon préféré. Ishigata, c'est vrai que c'était très. J'avais bien. Ah, tu te rappelles celle-ci sur Evangelion? Sur Evangelion. 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 Comment on dit Evangelion? Comment ça se prononce? Je sais pas, des tons qui dit Evangelion. Non, mais du coup, c'était dans la vidéo. Mais oui. Il y a un ange qui est apparu sur Terre. Un ange? Mais qu'est-ce que... Il y a un gros truc devant la fenêtre. Ah. Bon, on fait finalement celui pour le vêtement. Ça se trouve, il faudra les faire. Hein. Bon, bah écoute, pour ce que ça coûte. Hein. Oh oui, c'est bon, on est tranquille, on est pépouze. Du moment que ça fait plein de vues, on est content. Oui, bah oui. Bien sûr. Et comme on fait des épisodes de 20 minutes, il va se finir relativement vite, hein, le jeu. Oh oui. Ah, moi, je vais m'éclipser 5 minutes. Au revoir. Bah du coup, jusqu'à la fin de l'épisode. Très bien. On t'appréciait, à peu près. Au revoir, Silver. Mais du coup, on se retrouve à deux, étagère. Ouais, mais là, il peut y avoir une fanfiction. Ce que vous pouvez faire chez vous, c'est que vous pouvez vous-même vous photoshopper sur le siège laissé vide. C'est comme si vous étiez là. C'est comme si on se connaissait. Vite. Il y a trop de trucs malins au mètre carré dans ce jeu. Alors moi, ce que je trouve ouf, c'est qu'ils sont plus malins dans Mario Maker que dans les New Super Mario Bros. Originaux. C'est dramatique. C'est terrible. Même Nintendo, avec les niveaux qu'ils proposent, sont plus malins dans Mario Maker. Ah merde, j'aurais dû... Ah, là t'as chié dans la bulle. J'ai chié dans la bulle. Bah, je me dis chier dans la colle, ça sert à rien, alors que dans une bulle, elle peut flotter, elle éclate comme ça au-dessus de quelqu'un, sans crier gare. Ah bah, elle descendait. Là-haut. Elle descendait tranquille, comme ça, tu vois une crotte dans la bulle. Puis hop, elle éclate et paf, il y avait un couffin qui passait par là. Quoi? Une petite merde dans la figure du bébé. Ouais. T'as des kinks extrêmement précis. Oui. Ah, le caca. 30% de notre fonds de commerce. Exactement, on va faire un t-shirt caca.
Les pièces, moi je veux les pièces. Ouais, moi j'en laisse une pour frustrer les gens. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai pas. C'est pas sympa. Ça c'est... Ah, ça je l'ai pas vu venir. Tu vois, you never see it coming. C'est trou. Y'a la surprise. J'aime bien ce jeu. J'aime beaucoup. Il me hype beaucoup le... Ouais, le Royal. Je vais jouer sur PS Vita. Sur PS Vita ? Il sort sur PS Vita. Mais non, pas du tout. Non, mais... Ah oui, merde, avec le Remote Play. Le Remote Play. Je vais me faire plaisir sur Vita. Vu que j'avais pas de Vita au moment où j'ai fini Persona 5, maintenant que j'en ai une... C'est pas fou. Mais tu préfères les RPG sur... Bah écoute, pépouse dans mon canapé avec l'écran de la Vita, ouais. Après bon, je te dis ça, mais pour Persona 5, c'est quand même un jeu qui est assez beau. Peut-être vaut mieux en profiter à 100%. Oui, bah c'est ce que j'aurais tendance à te conseiller aussi. Hein. Alors que Kingdom Hearts, vu que c'est un jeu PS2... Eh mais c'est cool ce niveau. Bah, t'en as raté au moins 5 minutes. Ouais. Parce que du coup, tu étais parti. Oui. Excusez-moi pour cette petite interruption. Ouh. C'est admirable. Très admirable, effectivement. Ah, moi je m'en fous des pièces, je m'en fous du bonheur. Tu trigger beaucoup de gens dans les commentaires actuellement. Et le tronc te le fait savoir. Hein. Ah, ah. Du coup, il fallait peut-être passer vers l'avant. Ouais, peut-être. J'espère qu'il y avait un checkpoint. Oui, oh. Bah c'est les niveaux de Nintendo. Parce que c'est les principaux défauts des. Enfin c'est le principal défaut des niveaux entre guillemets de la communauté. C'est que. Ah tu sais il... Savoir comment mettre un checkpoint, c'est. Oh il y en a, ils arrivent bien. Ils le mettent maintenant. Ils le mettent, mais savoir où bien placer un checkpoint, c'est difficile. C'est vrai. C'est un exercice qui est très difficile et tu peux pas en vouloir aux gens de pas forcément réussir à faire instantanément. Bah surtout que dans le mode création de niveau c'est un peu pénible parce qu'il suffit que ton niveau soit long, d'accord. Et en fait avant de publier un niveau il faut que tu toi-même arrives à le faire. Donc le jeu te dit tu vas faire le jeu. Si tu mets un checkpoint il faut non seulement que tu fasses le jeu d'une traite. Ouais. Sans utiliser le checkpoint. Ouais. Et une fois que tu arrives au checkpoint tu recommences le jeu, il faut que le jeu soit finissable à partir du checkpoint. Ah. Et oui. Et oui Jamy. Et donc du coup ça peut être un peu pénible. Vous pouvez utiliser le Surtout si ton niveau est long. Et si t'as plusieurs checkpoints. Tu peux plus lui parler J'ai pas vérifié. Tu veux que je vérifie? Non, on s'en bat. Faire ou on s'en bat un peu. On s'en bat un peu. Au pire vous le reverrez quoi. Mais là par contre du coup... Pour compléter. Tu peux lancer un chantier. Il y a un chantier à 500 pièces. Oh, oui, ouais, bien vu, bien vu. Ça coûte cher quand même. Je t'invite cher, hein. Pour accélérer, je t'invite du coup à faire des niveaux, niveaux conventionnels. Comme ça, on chope des pièces qui nous permettra d'exécuter celui à 700 pièces. Yes. D'ailleurs, tu peux aller au canon qu'il y a dans le château qui est vert. Ah ouais. Ouais. Et ça fait quoi? Ça débloque un niveau. Est-ce que c'est des niveaux qui rapportent du pognon? Je crois oui. Waouh. La colombe de la liberté. Je crois qu'il rapporte de l'argent, oui. La colombe de la paix. L'apex. Oh. La colombe de l'apex. Ouais. Apex Legend, qu'est-ce qu'il veut lui? Oui, qui est genre, je t'attendais depuis... Écoute, est-ce que tu pourrais aller parler à ma femme? Il y a plein de mini-niveaux à faire qui rapportent pas de pognon. Hein. Oui. Oui, allez, c'est parti, 200 pièces. Ah, il te l'avait promis. C'est vrai. Et c'est un niveau que tu vas peut-être bien aimer, je pense. Vol en forteresse. Atteignez l'arrivée sans atterrir une seule fois si vous quittez le sol. Et ah, mais c'est celui dont tu me parlais. Oui. Trop tard. Quoi? Bah, faut pas toucher le sol. Faut pas sauter. Tu t'es laissé distraire, c'est le problème non, des boxeurs. Mais moi aussi, en fait, au début. Bah, t'as la cape, en fait, le premier truc que tu veux faire, c'est sauter, justement. Ouais. Oui. Est-ce que si je touche une scie circulaire, je suis considéré comme ayant touché le sol? Ah non, ça considère pas comme ayant touché le sol. Cool. Ouais, les bumpers et les ennemis, c'est good. Ah, les bumpers aussi? Ouais. C'est pas considéré comme du sol. Ouais.
C'est pas considéré comme du sol. The floor is lava! En fait, c'est... Ah oui, en fait, c'est un peu ce mode-là, en fait. Que tu en penses? C'est très malin. Moi, j'aime bien. Mm. Le sol, c'est la lave. Wow! D'ailleurs, j'y pensais. Tu penses que Shakira, elle a vraiment cette voix-là? Oui. Bonjour! Whenever! J'aime bien les chansons de Shakira, mais je trouve que sa voix elle est un petit peu étrange. Je me demande si elle a effectivement... J'ai jamais vu une interview de Shakira. Moi, je préfère les interviews de Shaquille O'Neal. Est-ce que tu penses que quand elle te parle, c'est vraiment... Yolay, yolay, yolay! Je pense, ouais. Waka, waka! En fait, c'est Mario ou Superman. Hein. Mais non, il n'y a pas d'anneau lumineux. C'est vrai. Merci, Shakira. De rien, bébé. Allez, à plus. Salut. Whatever. Shakira qui repart dans son vaisseau avec son vaisseau spatial. Quoi? Elle a un vaisseau spatial, Shakira? Elle a un vaisseau spatial, je te jure. Ah, c'est canonique. Ta mère. Comment? Mais c'est canonique, ta mère. Laisse-moi. C'est pas gentil. Le massacre est précis. J'aime bien les shoot'em up. Musique est incroyable. Aïe, avec des oreilles et du cœur. En boule. Non. J'aime bien parce que tu passes des trucs durs mais tu meurs sur des trucs faciles. Parce que tu fais plus attention. Bah ouais, parce que du coup il est trop distrait. Du coup je fais des niveaux trop Avant-gardiste moi. Mais ça rapporte 200 pièces. Par contre du coup on va se dire que c'est une fin d'épisode. Genre là maintenant. Ouais là maintenant. 1, 2, 3. Bisous tout doux. Bisous. Au revoir. We are in love.